Les gars, c'est parti pour la tier list. Ma tier list, attention, c'est pas une tier list universelle, c'est pas notre tier list, c'est ma tier list. Du coup, on va commencer avec l'arc Romance Down. Romance Down qui est du coup le début de Luffy, qui est du coup Zoro et l'arrivée de Zoro, du coup Luffy qui sauve Zoro. Avec du coup Morgan, il y a du coup Kobe, il y a Alvida et il y a Nami qui fait une apparition. Mais bon, voilà, c'est là, c'est le début. Un arc parfait pour une entrée. Moi je suis d'accord, un très bon arc pour commencer. Après, c'est un arc qui date, tu vois. Mais un très bon arc pour commencer, pour introduire, on va mettre en A. L'arc Baggy. Baggy le clown, du coup l'arrivée du plus grand personnage de tous les temps, alias Baggy le clown. Avec du coup... Ah oui, je risque de spoil des trucs, attention. Mais là c'est les débuts, du coup ça va. Mais après je spoil un peu moins, mais voilà, faites attention à vous. Du coup arc Baggy avec du coup Nami qui trahit Luffy et Zoro. Et bah, il y a juste Baggy en fait, c'est un A aussi. Hein. Arc Usopp, je trouvais un peu pas ouf. No joke, l'arc Usopp, je l'ai trouvé sympa. Le méchant Kugo là. Il est ok tier, c'est stylé, mais c'est pas incroyable. Par contre, il y a l'arrivée du Vogue Mary à la fin. Loin à mourir, c'est claqué. L'arc Usopp, en vrai, il n'est pas incroyable. Mais quand même, je vais pas lui mettre un C, il mérite pas un C. Moi, j'avais bien kiffé. Oui, à l'époque, j'avais bien kiffé aussi, mais. Par rapport aux autres, tu vois, par rapport à Baggy, il est moins ouf, je trouve, que les autres arcs d'avant, tu vois. Ouais, il y a le Vogue Mary quand même. Moi, je mets C. C'est hyper lent. En vrai, ça fait hyper longtemps que je l'ai vu, mais j'ai revu des scènes et tout. Je suis en mode. Je sais pas si. Bon, en vrai. Allez, un petit C quand même. Ensuite, arc Baratie. Bon, arc Baratie. Bon, le méchant est pas ouf non plus. En soi, les méchants du début sont pas hyper incroyables. Mais l'arc Baratie, il y a, bon, y a Mihawk, Zoro, il y a l'arrivée de Sanji, le cuistot. Et en vrai, juste pour Mihawk, Zoro, rien que pour Mihawk. Arc Baratie, avec l'arrivée de... En vrai, juste avec... C'est vrai qu'avec l'arrivée de Mihawk, la Mihawk, il propulse l'arc bien haut en vrai. Zoro, Mihawk. En plus, c'est Sanji. Sanji, c'est un personnage que j'aime bien. Moi, je mettrais un A. Après, il n'y a pas d'ordre là. Là, il n'y a pas d'ordre. Je ne vais pas mettre d'ordre ou je mettrai peut-être un ordre à la fin. Ensuite, arc Arlong. Arlong, incroyable. Moi, l'arc Arlong, j'ai trop kiffé. C'est là où ça commençait. Il commençait à y avoir des combats par perso. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, là, il y a Sanji qui avait son combat, Zoro qui avait son combat, Usopp qui avait son combat, et Luffy qui avait son combat. Et Arlong, incroyable. Arlong, incroyable. Arlong et God Tier, j'espère qu'on le reverra un jour, No Joke. No Joke, j'espère qu'on le reverra, je le mets en S. Très très bon arc. Lockdown, il se passe quoi déjà? Il y a le retour de Baggy. Oh, si, il y a Baggy, c'est du A. Non, il y a le retour de Baggy, on voit Dragon pour la première fois, il y a Smoker qui arrive, et Smoker, je le trouve stylé. Il y a Zoro qui prend ses sabres, qui rencontre Tashigi, et il y a l'exécution de Luffy, où il a failli mourir assez vite en fait. Et ça fait de la fin de One Piece en, du coup, je sais plus combien d'épisodes, mais pas beaucoup. Rien de faux. En vrai, il n'y a rien de bien ouf. Mais ça reste quand même meilleur que l'arc Usopp. L'arc Usopp où vraiment il n'y a pas de banger dans l'arc Usopp. Mais je mettrais B. Arc Reverse Mountain. Apparition de Laboon. Ah, Laboon, elle est belle, Laboon. De Crocus. Et il y avait un méchant dans l'arc Mountain ou quoi? Reverse Mountain. Non, il n'y avait pas de méchant. Vivi et son compagnon. Ah, il y avait Vivi. Ah ouais, Vivi et son compagnon, c'est vrai. Ouais, en vrai, l'arc Reverse Mountain, l'apparition de Crocus et de Laboon qu'on reverra bientôt, j'espère. Mais rien de bien ouf. En vrai, il y a Laboon, quoi. Meilleur que Arc Usopp quand même. l'arc Little Garden. Little Garden, c'était l'arrivée des géants. Oh, il y avait Mister 3. L'arrivée de Mister 3. Il y avait comment elle s'appelle la meuf qui augmente son poids là, Miss Golden Week, c'est ça, ma prof de français. Zoro qui coupe ses jambes, c'est vrai. Il y a Zoro, il voulait les couper, non, il les coupe pas, il voulait les couper. Je sais plus s'il les coupe, non, il les coupe pas. Mais il y avait plein de mal de trucs. Il y a l'arrivée des géants, le poisson rouge où il le tue. Il y a Usopp qui, bah, c'est l'arc à Usopp un peu. En vrai, il est bien, mais si, en vrai, B.
Il avait commencé ça. Toi qui fais du 1v100, on en parle. S'il les coupe. Oh putain, ça fait tellement longtemps, je me souviens qu'il voulait les couper, mais je sais plus s'il les coupait ou pas. Mais je vais me retaper tout One Piece. Non, mais pour moi, il les coupe pas. Il voulait les couper, mais il commence un peu. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, l'arc Little Garden B. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'arc Little Garden. En vrai, il est cool, mais c'est des trucs, tu vois, qu'on reverra, je pense, plus tard, mais qu'on n'a pas encore revu. Genre, il y aura un autre arc sur les géants qui arrivera, où là, il y a Usopp, et là, ça va nous rappeler des souvenirs. On fera, ouais, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et je pense que ça reviendra, mais plus tard. Bien, mais sans plus. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Arc Île de Drum. Du coup, l'arc de Chopper. Arc de Chopper, du coup, avec Wapol. Wapol qui faisait flipper un peu. Hein. Oh non, l'histoire de Chopper est tellement triste. Oh non, l'histoire de Chopper est tellement triste. Oh, rien que pour l'histoire de Chopper, je m'en souviens, mais elle est si triste, l'histoire de Chopper. Les deux trams flashback où j'ai versé une putain de cascade, c'est ça, mais oui. Pouf non plus. Quoi? Mais l'arc de. Le. Oh putain, mais si, c'est si triste. Je t'ai ramené le champignon. Oh non, je me souviens d'un scène où tu le vois tout dégommé, je t'ai ramené le champignon. Oh, c'est si triste. Tant de larmes coulent en moi. Après, il y a Wapol qui est pas incroyable. C'est quoi son pouvoir déjà? Il mange un truc qui pouvait se transformer en ça, c'est ça? Il permet à l'utilisateur de manger et de mâcher quelque chose d'immangeable au premier abord, comme du métal ou du bois, et de l'ingérer à son corps. Voilà, il l'intègre à son corps. Il l'intégrait à son corps. Du coup, j'avais raison. Il bouffe un canon, du coup, il intègre un canon à son corps. J'avais raison. Et du coup, arc de Chopper, en vrai, il méritera un A quand même. Arc Whiskey Peak. Whiskey Peak. L'arc Whiskey Peak. L'arc où, du coup, il y a un combat entre Zoro et Luffy. C'est ça, c'est l'arc avec où il y a un combat entre Zoro et Luffy, non? Je sais plus. Mais en soi, à part le combat où il n'y a rien de bien ouf, on revoit des gens du Baroque Works. Mais rien de bien incroyable à part le combat en vrai. C'est un arc vite oublié quoi. Ils sont invités, mais finalement c'était un piège et Zoro a tout niqué. Ouais, c'est ça. Zoro a tué tout le monde et Luffy se bat à côté. Ah oui! C'est vrai, Zoro, il a compris que c'était un piège, du coup il tuait tout le monde. Sauf que Luffy disait, putain, arrête, ils sont trop gentils, pourquoi tu te fights contre eux et tout. Je m'en souviens. Je sais plus ce qu'a fait Zoro. Mais bon allez, on va mettre un B quand même. Arc Koubi-Hermep, en vrai, sympa. Pour voir comment ont évolué les personnages. Mais bah les couilles, hein, on est d'accord. Ouais, même D peut-être en vrai. Arc Alabasta, bon, S. Arc Alabasta, je suis désolé, mais S. Arc Arlong et l'arc Croco au même endroit, c'est compliqué. On est d'accord qu'on rajoute un SS, une case SS. Le combat de Chopper et de Usopp contre le chien. Ah, c'est la première fois aussi qu'on voit qu'un objet peut manger un fruit du démon. C'est la première fois aussi qu'on voit qu'un objet peut manger un fruit du démon. Et ça paraît très bizarre. T'es en mode, mais comment le putain de pistolet ou putain de canon là, comment il a réussi à bouffer un fruit du démon quoi. Il y a aussi Mister Two, il y a Mister Three, il y a Vivi, il y a trop de choses. La taupe, il y a trop de choses. Arc Jaya, du coup, c'est avant Skypiea. Du coup, c'est première rencontre avec Barbe Noire. C'est combat contre Bellamy. Un combat très rapide, mais stylé la scène où il le one-shot. Et c'est il y a aussi du coup l'histoire de avec le mec avec le petit marron sur la tête, comment il s'appelait? Norland, qui est un vrai bonhomme, hein. J'espère qu'on en entendra parler comme il avait une grosse histoire quand même, hein. T'es en mode il a un gros passé, tu vois. Il a un gros passé le petit Norland et c'est bizarre qu'il soit oublié si vite en fait. Je pense qu'on en entendra parler plus tard. Voilà, je pense. L'arc Jaya, en gros, est sympa. Bellamy, Barbe Noire. Où tu vois Zoro et Robin. Zoro et Robin. Zoro et Luffy. Et Nami. Nami qui dit, oh, il est bizarre ce mec, en parlant de Barbe Noire. Et puis Luffy et Zoro qui disent, c'est pas ce mec, c'est ces mecs. Scène un peu bizarre. On verra plus tard ce que c'est. Mais arc sympa. Bon, tu que arc Kobe, ou tu que ça. Mais je dirais que ça reste un petit. En vrai, l'histoire de Norland était cool. Il était dans Dressrosa. Ah ouais? Ils en ont reparlé dans Dressrosa? Je m'en rappelle même plus. Ah oui, c'est vrai, putain, oui, avec les tontons tata là. C'est vrai, je m'en rappelle.
Skypiea, bon, l'arrivée du GOAT. Même si tout le monde, je comprends pas pourquoi les gens disent que ça rompiche fort devant Skypiea, que c'est l'un des pires arcs. Mais rien que pour Ener, mais pourquoi, pourquoi vous avez une haine en... Je comprends pas en... la haine qui est envers Skypiea. Vraiment, je ne comprends pas. Il y a l'arrivée des Dial, il y a Ener, le GOAT. T'apprends énormément de choses sur plein de choses. Puis sa mère, c'est trop long. Mais de quoi? Arc G8, je sais même plus ce que c'est. Arc G8, je sais plus ce que c'est. C'est quoi l'arc G8? Il se situe après l'escapade lors de la retombée à Blair. Le Vogmeri est pris au piège dans les eaux d'une base de marine. L'équipage doit se disperser. Ah, mais si, il y a des scènes drôles où il y a Luffy qui est en train de suivre le... En train de suivre le soldat et puis il se retourne, il fait... Et ouais, c'est ça, non? Ah oui, c'est ça, mais c'était pas un hors-série? Ah, épisode, non, attendez, épisode 302. Non, ça doit être un hors-série. 302, 303, ouais, c'est un hors-série. C'est un hors-série. Mais en vrai, il était sympa. Il était sympa. En vrai, il y a plein de scènes sympas. Je mettrai quand même un petit C. Parce que ça reste un filler. Arc Davy Back Fight. Un arc que j'aime, que j'adore. Vraiment, je... Vraiment, vous êtes aigri à pas aimer ça. Mais j'adore trop le Davy Back Fight. Moi, je mets S. Personnellement, je mets S. Vraiment, je trouvais que ça changeait un peu de... Tu vois, d'aller sur un... D'aller sur... je sais pas, d'aller sur une île et qu'ils combattent le boss. Là, c'était un... Je sais pas, ça changeait en fait de l'habitude en fait. Ça changeait de ce qui se passait où ils arrivaient sur une île, ils faisaient amis avec des gens, ils disaient oh lui est méchant, ils allaient le combattre, ils gagnaient et l'île était récupérée, l'île était libérée. Ça changeait de fou. Arc drôle, mais c'est tout. Les jeux en vrai, je les ai kiffés, les jeux, les différents jeux, ils étaient cool. Dans l'anime en plus, il y a 6 jeux que dans le manga, il y en a que 3. Voilà. Dans le manga, il y a la course de radeau, le Luffy, le Zoro et Sanji contre la balle de prisonnier, là, la balle sur la tête. Et il y a aussi la boxe, que dans l'anime, il y a le roller en plus, il y a des trucs en plus. Qui sont sympas, mais pas incroyables. Mais David Backfake, moi j'ai vraiment aimé, avec en plus, je trouvais ça drôle, stylé. La coupe afro qui est God Tier. On va pas se cacher que la Kuba Pro, elle est incroyable. Du coup, moi, je mets un S. Moi, c'est un arc que j'aime beaucoup. Arc Water 7. Water 7. L'arc avant, un arc grotesque. L'arc Water 7. Arrivé sur l'île de Venise. Ils se font fight par Franky, qui dérobe les 300 millions, ou je sais plus combien ils avaient de thunes, à Usopp. Ils détruisent la Franky Family. Il y a un combat, Luffy contre Usopp. Il se passe plein de choses dans cet arc aussi. Un très bon arc. Mais il restera un S parce que Enies Lobby restera en SS pour l'instant, même si j'ai déjà envie de mettre le God Tier parce que je sais que c'est mon arc préféré, Enies Lobby. Enies Lobby, c'est mon meilleur... C'est mon arc préféré, Enies Lobby. Enies Lobby, c'est, je vous le dis, c'est mon arc préféré depuis le début de One Piece. J'ai jamais ressenti ce qui s'est passé dans... Dans Enies Lobby, l'arrivée de toutes les nouvelles techniques, des gears, de Zoro avec son Asura, de Sanji, la Diablo Jumbo, du nouveau bâton de Nami, de Sniper King, de Zoro, de Chopper qui se transforme avec ses Monster Points, c'est Franky qui se bat aussi, où on comprend un peu Franky comment il fonctionne, quand il met autre chose que ses coca, en vrai il était drôle seulement, quand il mettait autre chose que des coca, il avait une autre... en mode cool. mais vraiment l'arc c'est il se passe banger là, tu vois une évolution des personnages d'un coup, tu vois, tu sais pas d'où ça sort, mais le fils qui apprend son gear là, le gear second, c'est incroyable, la scène je m'en rappelle. Oh non, banger. Arc Thriller Bark. Ah, on va débattre un peu là, il y en a beaucoup qui aiment pas Thriller Bark, mais moi j'ai vraiment bien aimé Thriller Bark. Arc Thriller Bark, arrivée de Moria, de Nightmare Luffy, de Brook, des Ryuma, trois pattes humeurs, des ombres, de Absalom, il y a le combat aussi de chaque perso, il y a... En vrai, il est drôle cet arc aussi, avec les zombies et tout, au début quand ils arrivent. Perona, il y a Perona, le 300 tonnes, non, c'est combien le marteau, je sais même plus, je suis une merde. Le Usopp marteau, là, contre Perona, ça c'est incroyable, il a tout défoncé. Oz, le combat contre Oz de la team de tous les Mugiwara contre Oz, la transformation des cyborgs de leur technique ultime avec Franky,
Chopper sur la tête, Usopp dans le bras droit, Zoro et Sanji sur les pieds. Incroyable cette transformation aussi. Dommage que Robin n'a pas joué le jeu. Ah, c'est l'arc le plus drôle. C'est un des arcs que moi j'ai vraiment, c'est un arc que j'aime beaucoup. Et je le mettrai en S. Arc Sabaody. Arc Sabaody. Sabaody. Incroyable. Alors, arrivé sur Sabaody, tu vois le coup de poing. Tu vois du coup les dragons célestes. Zoro qui a failli découper un dragon céleste. One Piece. Luffy qui fout son coup de poing dans la gueule du dragon céleste. Tu vois l'arrivée des supernovas, de Kid et de Law, de tous les supernovas. Tu vois trop de choses dans cet arc. La fin de l'arc est si triste. Je me souviens, je regardais quand ça sortait, j'étais en mode... C'est quoi ça? Les bulles qui éclatent une par une à la fin, avec Kuma là. Ah, c'est si triste. Ah, devant tout le monde, post Sabaody le mieux. Zoro découpé en dragon céleste. Oui, il a fait le découper. À un moment, tu sais, il marchait dans la rue, il buvait, et puis il a vu un mec, le dragon céleste en face, et il a fait « Oh, tu fous quoi ?» Tout le monde s'écartait, tu vois, sauf Zoro, il s'en battait les couilles, il continuait tout droit. Et il a sorti un gun et Zoro a commencé à sortir son sabre, mais il y a la meuf là qui se transforme en gamine qui l'a arrêté. Et qui lui a sauté dessus et a fait « Oh non, t'as tué mon frère, nanani !» alors qu'il l'avait pas touché. Ah, et aussi, dans l'arc Thriller Bark, il y a des scènes incroyables entre Kuma et Zoro. Mais ça, j'en dirai pas plus. Une scène insane. Et il y a le Binks no Sake dans le Thriller Bark. Voilà, je ne dis pas plus. Kaipia, j'ai pas aimé. Après, c'est mon avis, là, bien sûr. On compte le retour des Mugiwara ou pas? Non, Sabaody, c'est pas maintenant. C'est arc retour sur Sabaody. Alors, arc Amazon Lily. Boa Hancock. Méga gotière. Amazon Lily, en vrai, l'arrivée de Boa Hancock. Il se passe quoi, Amazon Lily? Amazon Lily, ouais, Boa Hancock, quoi. Je me souviens juste plus de Boa Hancock. En vrai, il est drôle. Gotière pour Boa. Amazon Lily, pas ouf. En vrai, Amazon Lily, s'il est bien. Il est bien, mais c'est. Je crois qu'il. Il y a Hancock, quoi, c'est ça. En vrai, il est pas insane non plus, on va pas se mytho, mais il est sympa. Il est sympa. Hancock, il y a Boa Hancock. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous savez qu'il y a Hancock dans cet arc. Ouais, je crois qu'il est assez court, en vrai, il dure pas très longtemps. Mais on va mettre en A, en vrai. Je vais mettre en A. L'arc retour de Sabaody. Du coup, le retour de l'équipage sur Sabaody, où tu vois leur power-up absolu, où ils ont galéré. Attention, spoil, si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, si vous n'avez pas vu l'arc retour de Skype à Sabaody. Mais où ils ont galéré, du coup, avant de partir, avant de se faire laminer par un Kuma contre un pacifista. Et du coup, là, ils arrivent à dégommer deux pacifistas, Luffy tout seul et Zoro et Sanji. Ah, cette scène est incroyable. Après, l'arc retour Sabaody est très rapide aussi. Mais je pense que ça reste dans la lignée de Sabaody, du coup ça reste en SS. L'arc avec le GOAT. Le GOAT absolu. Le GOAT qui est vénéré sur cette chaîne. Qui est vénéré ici même. Appel d'un, il y a le retour de énormément de persos. Tu revois le retour de trop de persos, t'es en mode c'est trop bien. Et il se passe trop de choses dans l'arc Appel d'un, il est incroyable. Mais en vrai, moi je mets un SS. Vraiment, l'arc Appel d'un, je le trouve incroyable. En plus, avec ce qui suit, l'arc Marineford. SS, ça ne sera pas le god tier pour moi vu qu'il y a déjà une SLB. L'arc post-Marineford. Post-Marineford, du coup, c'est flashback avec Sabo, Ace et Luffy. Bah, en vrai, l'arc du coup post-Marineford, du coup, c'est surtout le flashback de Luffy du coup avec Sabo et Ace. En vrai, il est cool, mais je mettrai en S. Arc retour à Sabaody. Ah, mais non, attends. Ah non, l'arc retour. Ah non, mais je suis con. L'arc retour sur l'équipage, c'est. C'était pas le retour à Sabaody, le retour à Sabaody il est là. Arc retour sur l'équipage, c'est en gros quand tu vois chaque personnage qu'ils sont devenus. Genre tu vois Zoro où il est, tu vois Usopp où il est, Nami où elle est, etc, etc, etc. Ah, mais en vrai c'est A. My bad, j'avais mal compris. C'est sympa, c'est A. Arc l'île des hommes poissons. Arc l'île des hommes poissons, très bon. Mais bon. Comment dire que c'est l'un des pires. Il y a le méchant le plus frauduleux dedans. L'apparition de la drogue. Je skip cet arc perso, j'ai pas du tout aimé. Il a skippé un arc entier. Comment ça tu skippes un arc, même si t'aimes pas? Non, tu peux pas. Comment ça tu skippes un arc? Dans chaque arc, il y a des trucs, ils disent des trucs de fou.
Il t'apprend des trucs incroyables dans chaque arc. Comment ça, tu skips un arc? En vrai, l'arc... Ouais, non, moi, je suis désolé, je vais le mettre B. Arc Punk Allsword. Du coup, attention, hein, je vais rappeler que... je vais spoil certains trucs, du coup, si vous n'êtes pas à jour, voilà. Arc Punk Hazard, moi, j'ai bien aimé, personnellement. Il se passe plein de choses intéressantes. Et moi, je mettrai un S. En vrai, je pense que je mettrai un S. Ouais. Arc Dressrosa. Alors, je vais m'expliquer sur pourquoi j'ai trouvé très long. Arc Dressrosa. No joke, je regardais un épisode par semaine de Dressrosa, et bah putain, j'ai rage-kid One Piece pendant 2 ans. Il est bien, mais trop long, on est d'accord. Ah mais vraiment, oh, vraiment, ça m'avait fait... vraiment, c'est la première fois que ça m'était arrivé, hein. Ça m'a vraiment fait rage-kid One Piece, j'ai arrêté de regarder One Piece pendant 2 ans, je pense. Après, vu que c'était un épisode par semaine, j'ai dû louper 20 épisodes, du coup, j'ai regardé d'un coup. Mais voilà. Mais voilà, arc Dressrosa, en vrai, il est cool. Je mettrai en S quand même, vu que... bon, attention spoil, hein, je dis pareil. Mais... le G4. Bangoon Man. Mais je mettrai un S quand même pour ce dress. Ah, S. En vrai, il y a Pika. En vrai, c'est ouais, le début ultra long. Et le flashback de Trafalgar, de l'eau, est incroyable aussi. Ah non, peut-être un SS en vrai. Avec le flashback de l'eau, le Gear 4, l'apparition du Gear 4. Non, en vrai, je pense qu'il méritait un CS. Arc Zoo, en vrai, il se passe quoi? Il y a l'apparition de... Comment il s'appelle? De Jack. Jack la sécheresse, là. Je sais plus comment il s'appelle. Jack... C'est quoi son nom? 3 jours pour grimper. C'est vrai qu'ils ont mis du temps à grimper sur un putain d'éléphant. En vrai, l'Arc Zoo, un peu long. Il se passe pas des dingueries. T'apprends pas mal de choses, de nouvelles choses. L'apparition de... Du ninja. Mais l'Arc Zoo, en vrai, sympa, mais bon... Est-ce qu'il mérite d'être là? Non, on va mettre en A quand même. Alors, l'arc Whole Cake, incroyable. Incroyable. Attention à vous, spoil de Whole Cake. Incroyable l'arc Whole Cake. Luffy contre 1000 personnes là. Katakuri, Crackers, Snake Man. Aïe aïe aïe, trop de banger. Brook Masterclass aussi, c'est vrai. Pedro, ah Pedro. À jamais dans le cas. Arc Rivière, en vrai, c'était là sympa le retour de pas mal de personnes. On voit des petites dingueries, on voit des anciennes personnes qui reviennent et t'es en mode ah, ils sont comme ça du coup. Mais arc Rêverie, moi je dirais un petit S quand même. Et pour finir, l'arc actuel, l'arc qui est bientôt fini, Wano Kuni. En vrai, arc très très bien. En vrai, le passé d'Oden était cool, le flashback d'Oden était lourd de fou. Le début de Wano, il y a eu des scènes, et on va pas se mytho, c'était un peu long. Là, c'est Wano, c'est le total, c'est le tout. Du coup, Udon, Wano, Onigashima et tout le bordel. Du coup, le retour de tous les personnages qu'on ne voyait plus pendant l'arc Whole Cake. Ça a mis du temps l'arc Whole Cake, il était assez long. Hein. Et on a mis du temps à voir le Zoro. Le retour de Zoro a fait plaisir à pas mal de monde. Retour de tous les personnages, on voit ce qu'ils sont devenus un peu. Une entrée en scène fracassante de Zoro. Et ça amène bien le truc. Les OST sont cool, ils ont changé en plus à Wano. Les OST sont un peu cool, ils sont un peu plus... vous voyez, ding 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 ding. Et en vrai, l'animation carry énormément en ce moment en plus. Et ça rend les trucs incroyables. Ça rend encore plus incroyable. CSS. Du coup, Gauthier, Agnès Lobby, SS, Alabasta, Skypiea. Sabaudi, Magellan, du coup, Impel Down, Marineford, Le Retour à Sabaudi, Dressrosa, Whole Cake, Wano, S, Arlong Park, Davy Back Fight, Water 7, Thriller Bark, Post Marineford, du coup, c'est surtout le flashback de Luffy, Punk Hazard, Rêverie, A, Romance Down, Baggy, Barati, Île de Drum, Arc Jaya, Amazon Lily, Arc Retour sur l'équipage, Arc Zoo. B. Lockdown. Little Garden. Whiskey Peak. L'île des hommes poissons. C. Arc Usopp. Arc Reverse Mountain. Arc G8 qui est un filler. Et l'arc D. Arc Kobe et Hermep. Après, je ne veux pas me battre pour savoir l'ordre de qui est meilleur, de qui. J'ai pas fait d'ordre là. Je me suis pas fait chier, j'avais la flemme.